Et c'est parti mon kiki, on continue The Walking Dead Destinies, le jeu de l'année. Eh oui, mais malheureusement. Ça aurait pu être si bien. C'est vraiment parce que je suis fan de la série, sinon c'est vrai que c'est pas trop top. Hein. C'est le jeu raté de l'année. Ouais. Bon, j'aurais pas dû l'acheter. J'étais obligé, j'aurais peut-être dû attendre qu'il coûte 2 balles, quoi. J'étais quand même à 50%, c'est encore trop cher. Les humains sont plus résistants, ouais, c'est vrai. On est résistants. Ah, j'arrive pas à combiner leurs touches avec le clavier QWERTY, c'est bon. Ah putain, il faut recommencer, mais j'avais fini ça, non? Je l'avais tué, lui. Putain, je l'avais tué. Je l'avais tué, il faut recommencer, c'est pas vrai. Putain, mais il va me tuer lui. Attends, mais il me tue le con. Faut que je trouve la hache. Mais putain, arrête. Mais putain, arrête de me tirer dessus. Je n'arrive pas. Putain, mais c'est pas vrai. Allez! Arrête! Je vais te couper en morceaux, mec. Mais j'arrive pas. Mais il est pas possible, lui. Et il m'esquive. Mais j'arrive pas. Allez. Je vais te tuer, mec. Je t'avais déjà tué une fois. Et je vais te retuer une deuxième fois. Désolé Shane, mais c'est... Je l'ai pas eu. Allez, je l'ai. Encore un petit coup, je l'ai. Mais arrête de me taper des coups de pied. Tiens, crève. Oh! Quelle horreur. Attends, je l'avais déjà eu, hein. Ils m'ont fait recommencer. C'est de ta faute. C'est pas fini encore? Oh non. On peut encore se battre. Putain, c'est pas vrai, il recommence. Et je l'avais tué. Vite, vite. Ah, il y a des zombies en bonus. Moi, je me suis même pas soigné. Vite, je le tue. Ah, je l'ai eu. Purée. Ils m'ont fait tuer deux fois. C'est fini ou pas? Ah, voilà. Ouf. Eh ben, dis donc, j'avais pas eu le temps de me soigner. Hein. C'est ta faute, pas la mienne. Bien fait pour toi, tiens, dégage, salaud. Avec la pleine lune, bien sûr. Ah, il se dit à zonzon. Vite, il faut le retuer. Il faut le retuer une deuxième fois. Ah, il est mouru. La ferme, merde, y a tout qui crame. J'ai fait tout ça. Hein. Ils m'ont fait recommencer, les salauds. Ah, Lori qui s'enfuit. Vite au camion! Oh, le pauvre Archer, il va se faire bouffer, c'est vrai, je me souviens. Tout doux, mec. Ah, trop tard. Ah ouais. Bon, le sniper, le vieux, il servait à rien, il est mort. Dale. Lui, il servait à rien. Hein. Il est parti, mec, faut s'en aller. Oh, c'est lui qui est le plus réussi, hein. Daryl, c'est le plus ressemblant. Désolé, mon vieux. Miam miam, ils ont faim. Et voilà, ça a bien cramé là, dis donc. On a passé tout l'hiver à aller de maison en maison, à vivre de reste. Lori, elle va accoucher d'un jour à l'autre. Faut trouver un endroit où se terrer quelques semaines. Et vous deux?
Elle me regarde à peine, elle m'en veut. Ça lui passera, t'as fait ce que t'avais à faire. Ouais, Darryl, je sais bien. Dommage. C'est parfait. On va prendre la prison. Se protéger. Se réfugier. Il est allé au camion. Pourquoi il y a eu ce bruitage? Je ne sais pas. L'œil de Moscou qui me regarde. Et je l'avais déjà sauvegardé cette partie. Ils m'ont fait recommencer à tuer Shen quand même. Oui, pour continuer. QG à bord de la prison. Ah, c'est le QG maintenant. On a pris la prison déjà. Un nouveau QG. Quartier général. Ah, Shen, il est pas mort, c'est Del qui est mort. Je me confonds. Oh, on joue Daryl. Shen a quitté le game. Salut mon gars. Del, salut mon gars. Ah, je l'aime pas de toute façon, Del. Je ne sais plus où j'en étais dans mes histoires. Attendez. On était où? The Walking Dead Destinies. Épisode 10. On devrait dans l'épisode 10, normalement. Ça va, vous autres, la famille? Le Christ a promis résurrection des morts. Je voyais pas ça comme ça. Conflit de groupe entre Carol et Carl. Carl lance un regard dur à l'horizon. Carol s'en rend compte et va le voir. Tu sais, un jour, nous nous retrouverons Sophia au paradis. L'enfant garde silence. Elle souffre moins que nous. Non, c'est faux, aboie-t-il tout à coup. Le paradis n'est qu'un autre mensonge. Si tu crois, t'es qu'une idiote. Estomaqué, Carol regarde Carl se lever et partir. Réprimander Carl pour son comportement avec Carol. Je vais m'excuser auprès de Carol. Je comprends que le gamin soit pas content. Ouais, ça va. On a eu des compétences, mais on peut plus compétencer, on a tout. Hein. On a des nouveaux personnages. Ça, c'est qui? La pizza. Plus personne ne veut parler. Oh, Laurie, elle a un gros ventre, hein. Lui parler, il y a une drôle d'odeur. Le gamin qui parle. Ah, mais c'est les rôdeurs sentent tellement. Ah, mais je suis Daryl, moi, c'est vrai. On va aller voir là alors. Triage dans les bois. Mais je peux pas les faire. Hein. Chaque fois, regardez, je fais confirmer avec R et il me met la mission principale. Donc, je ne peux rien faire. Équipe de la mission principale, Rick Grimes, Caroline. Daryl. Après un long hiver passé sur la route, le groupe a trouvé un refuge, une prison. Refuge potentiel. Formez une équipe pour le débarrasser des rôdeurs et prenez possession de votre nouveau foyer. Commencez l'épisode. Épisode 10. Ça? L'impensable s'est produit. La ferme de Herschel a été envahie. Les survivants ont mis le feu à l'étable dans un utile effort pour gagner du temps et s'enfuir. Après avoir passé l'hiver sur les routes à la recherche d'un abri, ils sont tombés sur leur salut potentiel. Une prison. Mais avant qu'ils puissent en faire leur nouvelle maison, il faut la vider des rôdeurs. Let's go alors. Tu fais un petit thé chaud et un verre d'eau gazeuse froide. Tout ce qu'il faut pour nettoyer la prison. Ah! C'est du bien. Il y a la menthe. J'espère que je vais le boire chaud. Déverrouille de nouvelles compétences. Moi, j'en ai plus. J'ai toutes, les gars. C'est vrai que j'ai mis en mode facile. On a eu à 7 points. Certaines armes sont plus efficaces contre des groupes. Après la chute, hôpital. Carol, Daryl, vous avez bien compris? Je pars à droite, Daryl à gauche, facile. Let's go. Ah, je suis Rick. Merde. Tuez les rôdeurs. Ils ont tous disparu. Je pense que c'est la maison pour le moment. C'est quoi, c'est un marteau? Je vais garder la hache, moi je trouve que c'est bien la hache. Il y a des cartouches là. Là-bas j'ai vu un qui rampait. Il est plus là.
Il est là. Merde. Ok, il m'a vu, il m'a vu. On peut pas prendre ça. Ok. J'ai été détecté. Je suis panique là. Je peux pas passer entre les trucs. Ah les QWERTY. Je suis encore détecté ou pas? Ah j'ai un revolver quand même. Okay. Attendez, on va faire la détection là. Oh putain j'ai pas vu lui. Mais il m'a vu? J'ai l'impression qu'ils m'ont vu, ils viennent vers moi. Mais ils m'ont vu, non? Saloperie. Ah bah c'est quoi? Non, la masse. Ils sont où les mecs? Attends, parce que je vois plus rien. Là, je peux passer. Là, y a quelque chose au-dessus. Cartouche au-dessus du bus. Comment on monte? Je peux grimper là? Pousser ça peut-être. Non, ça non, je peux pas grimper. Hein. Comment on monte au-dessus du bus? Pousser quelque chose? Putain, je suis coincé dans cette truc. Ah, la musique est stressante. Là, il y en a un qui est par terre. Je vais lui écraser la tête. Ah, ta gueule, toi. Hop, là, il y en a un autre là-bas. Il m'a vu, il m'a vu. Yeah. Ah là-bas il y en a aussi. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Damn. On est là. Je crois pas où il y a des zombies, attention. Là-bas. Là il y a quelque chose. Let's do this. La même hache que j'avais. Peut-être qu'elle sera moins abîmée, je ne sais pas. Ah, il y a des soins, non? Oh, c'est une grenade. Qu'est-ce que c'est une grenade? Grenade, si j'ai un groupe. Je peux pas grimper au-dessus du bus. Oh putain, il y en a un là. Attendez, parce que ceux qui sont par terre, on les voit pas. Hein. Ah, il y en a trois là. Si je fais la grenade. Je l'ai pas lancé au bon endroit. Putain, mais c'est con. Je visais les mecs. Ah, ça les a attirés quand même. C'est pas vrai. Pourquoi ils m'ont détecté? Allez, c'est les derniers. On va les avoir. Ah, il est con, lui. Ça va. Plus que un. Attendez, il y a un loot, là. Je vais le prendre. Ah, c'est des balles. Mais putain! Mais je voulais. Mais je peux pas! Mais putain, vous avez vu le bordel? J'ai voulu le tuer par derrière! Il est pas mort, hein! On a encore ou pas? Tuer les rôdeurs restants, ce qu'ils sont à l'étage! Oh merde! Les rôdeurs portent un casque, peuvent pas être poignardés ni prendre de tir à la tête! Compliqué alors! Doit détruire le casque pour atteindre le cerveau. Casse ton casque. Ton casque. Attends. Hop, il est pas mort lui. Je peux le poignarder. Mais putain. C'est putain clavier. Le QWERTY, c'est pas possible. Ah non, il m'a vu lui. Let me go. Tiens. Oula, casqué. Je peux l'écraser là. Ah, oh, maintenant je peux l'écraser là, plus de casque. Putain, ils vont vite, hein. Est-ce que je peux tirer? Il met sa main devant, le mec, pour pas que je le tue. Trop marrant. Ah, il y a encore un casqué là. Enfin. C'est bon, je les ai eu. Éliminer toute la vague. Il y en a encore? Il y en a encore 12. Ça ferait l'affaire. Laurie et le bébé, il sera en sécurité si ça a l'air bien. Ils sont où les mecs? Oh putain! Ils sont encore des casqués!
Il est pas mort. Il est pas mort. Non, non plus. Je suis encerclé. Roule. Putain, je peux plus. Roule. Bah, je veux pas lui que je vous le vise. Mais bah, en vrai. Mais ton petit dieu. Ah. Je peux pas. Ce clavier, c'est horrible. Ah, vraiment. Ce truc qui me fait chier, c'est ça. Je m'en fous que c'est pas joli, que c'est un peu raté, mais qu'on le clavier QWERTY, non, et qu'on peut pas renommer les touches. Ça, c'est l'horreur hein, pour moi. Tiens, je vais te tuer comme ça, toi. Pas mort. Pas mourir, lui, hein. Tiens, encore 4. Plus que 4, plutôt. Ils sont où, les cons? Je vois pas. Ils sont là. Ok. Attends, on va essayer de l'avoir en finesse, lui. Il m'a vu ou pas? Ah putain, il m'a vu. Hein. Il s'est retourné. Il y en a un qui est par terre là. Ouais, il est là. On va essayer de lui foutre un coup dans la tête. Voilà. Il en reste deux. Ils sont où? Je vois pas. Oh putain, derrière moi. Il y en a plus que deux. Bon, en vrai. Ah bah, c'était dur de tuer celui qui était couché par terre finalement. Que les rôdeurs. Il y en a encore. On a peut-être un problème, pas avec les rôdeurs, je vais voir. Putain, mais il est là, lui. Nom du jeu. Ah, il y a un casqué. Mais non, touche de merde. Ah. Il y en a un qui m'a pété quoi. Ils m'ont fait quoi. Ils m'ont blessé quoi. J'ai plus de soins. Attention, il y en a là aussi. Des casqués. Ils sont trop nombreux. Je vais perdre mon adrénaline. Allez, cours. J'ai pas de cartouche assez. Non. Et il y en a encore un là. Il est pas mort. Il est où le con? Ah, je l'ai raté. Mais j'ai raté. Pas raté. Il y en a encore 3 à tuer. Putain, il est où l'autre? Je vois pas. Et si c'est les derniers? Il y a 3 rôdeurs en rampant avec le pistolet. Mais putain! Ah, il y avait un succès de tuer des rampants avec des pistolets. Ah, ben je les ai eu. Oh, c'était chaud, hein! If we clear out the walkers, we might be able to stay a while. Maybe a long while. Si on tue les rôdeurs, on peut rester ça un moment, peut-être longtemps. Éliminer les rôdeurs dans la cour d'un prison. C'est Carole. Elle a qu'un pied de biche, elle. Biche ou ma biche. Elle a quand même un revolver. Pas de cartouche. Elle m'a déjà vu. Oula. Elle a fait un doublé. Ah. Let me go. Tiens. Voilà. Est-ce qu'il y a des balles là, non? Attendez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le loot ici. Il y a une machette os. Prendrait la machette, tu crois? On va voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous poussez? Ah, ça coince la porte. Appuyez. Annulé. C'est bon, il n'y a rien à looter ici au cas où. Ah, il y a un truc là, non? Bon, loot. Laisser tomber mon pied de biche, on va voir si j'ai bien fait ou pas. If anyone still alive in here, they could be dangerous. Si encore des gens en vie ici, ils peuvent être dangereux. More ammo is always welcome. Bon, les munitions. Et là, il y en a un qui est que par terre. This time, stay dead. My blood's boiling. Là, on a de l'adrénaline, mais je sais pas l'utiliser. Merde! Oh, deux d'un coup. Il y a bien la machette maintenant. Ah merde. Ah oui, il avait gilet pare-balles lui. Oh. Un explosif. Merde, c'est un explosif. Non, c'est un chaînet quoi. J'ai plus beaucoup de balles. Hein. On va faire ça. Putain, ils sont nombreux là-bas. On peut nettoyer par ici d'abord, non?
Carole, elle a pas de bol, hein. Il m'a raté. T'as vu quand il a gilet pare-balles, il y a quelque chose par terre. Hector. Des bouteilles à la con. C'est Daryl là-bas. Je peux grimper là. Essayer de tuer celui qui est par terre là, tiens. This looks like a safe place for Lori's baby. I need to be ready to help her deliver it. Non, cache là, c'est bien non? Les quoi? Il y a mis les rôdeurs dans la cour, il y en a trop. Hein. Right between the eyes. Oh putain, c'est pas vrai, t'as vu la vitesse qui s'est relevée? Impossible ça. Il s'est relevé en 2 secondes quoi. Même pas en microseconde. Il y en a un qui m'a vu. Merde, il m'a vu. Connard. Je peux pas prendre les cartouches. Finders, keepers. Oui, je les ai. This will distract them. On les distraire. On l'attaque par derrière. Mais putain, c'est pas vrai, vous avez vu le bordel? Voilà. Vite. Oh putain, c'est un explosif en plus. Ah, j'ai bien fait de me remettre en... C'est un explosif aussi, lui. C'est un chien, en tout cas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a quoi par terre? C'est des bouteilles. Je vais quand même en reprendre une au cas où. C'est bon la cour, non? Ah, une deuxième cour. Y'a rien dedans. Que dalle. Je bois un petit coup de montée tant que je suis peinard. Je sais même pas qu'elle s'appelait Pelletier. Comme le biscuit. Moi aussi j'ai vu quelque chose. Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus de place pour les cartouches. J'ai plein de cartouches à récupérer donc je vais tirer un max. Ouh. Pas encore plus près là. Putain, il y en a plein là. Il est rapide lui. Arrête de bouger la tête. Bouge plus. Oh, il est con. Les balles ici, si je peux les récupérer. Lock and load. Finders, keepers. Ça, je peux les prendre aussi. On est bon là, tonton. On va verrouiller la cour maintenant. C'est quoi l'objet? Je ne vois pas ce que c'est. Ah, des cartouches. Hein. Ah non, c'est des points. Plein de bouteilles. Ah, des cartouches. Est-ce que je peux les prendre? Non, je ne sais pas. Ils ont limité le nombre de cartouches qu'on pouvait prendre. C'est rien, je vais me les récupérer en tirant par ici. Ça, c'est un explosif. Oh putain, c'est trop bien. Bien vu ça. Ça tire? Ah ouais, on tire à travers la grille, c'est bien ça. Et voilà. J'ai les balles. Ah, y a pas besoin. Ça a été avec Carole finalement. Attention, c'est un gros maintenant. Ramasser fusil à pompe. Putain. J'ai pas. Mais bordel. Ah, un explosif. Putain, roule, roule.
Tire sur l'explosif. Ouais, voilà, mec, c'est bien. Putain. Ils sont trop forts, ils sont trop rapides. Je peux pas faire la ride avec ça. J'ai pas beaucoup de balles là. Je les ai eu? Je crois. Hein. Je prends mon arbalète. C'est quoi ça? Les soins. Des balles. C'est pas des fléchettes. On va faire la fléchette. J'ai plus. Oh putain, ça tire pas bien les arbalètes ici. Je vais reprendre la pompe. Il était où, pompe? On n'a pas beaucoup de balles par contre. Il n'y a pas des balles quelque part? Oh, c'est pas des balles. Il n'y a pas de balles. Attends, mec. Attends, mais t'as vu que la vitesse qu'il était sur moi? Purée. Et il faut activer la porte extérieure. Ouh, il y a du stuff ici. Mais donc, je vais me soigner. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Ah, je suis Rick maintenant. Purée. J'ai rien compris. Hein. J'en ai Carole et Daryl. Ils sont où? J'ai croisé des gens à un nombre de femmes. L'un a l'air blessé, mais ils ne m'ont pas encore vu. Devrais-je proposer mon aide? J'ai plus qu'un qui me fiait. Here's what I think. Ça, je dois voir comment tu peux les aider. Oh purée. Carol cleared all this herself. Carol en est tous seul même, pas mal. Ouais, mais c'est pas tout nettoyé quand même, hein. Il y a encore des trucs par terre. Là. Récupérer des balles. More ammo is always welcome. Il y a un truc que j'ai vu ici, non? Ah, c'est une bouteille à la con. Trop de fumée, je vois plus trop bien ce que je peux prendre. Une bouteille, non. Pas des balles, ça, dans cette bouteille aussi. On va aller rejoindre les autres. Balles. Je vais boire un petit coup de mon thé. Moi, ouais, j'ai là, j'ai le pistolet. Alors, on fait un petit check-up. Ah, il y a des rôdeurs par terre, là. Ok, ça c'est... Pourquoi j'étais blessé? Pourquoi j'étais blessé, je ne sais pas. Youpi. We have a problem. Meet me in the cafeteria. Hurry. Problème. Rencontre-moi à la cafétéria. Finders, keepers. La cafétéria ici. Oh! Oh! Le corps a des convulsions alors qu'il est mort. C'est bizarre. Échec de l'expédition, ils étaient hostiles. J'ai proposé des aider, ils m'ont mis en joue. J'ai à peine réussi à m'en tirer en vie, ils ont pas pu me suivre. Je rentre directement. Je vais voir comment tu peux les aider. Connerie quoi. Je ne peux même pas choisir les réponses. Je sais pas comment ça marche. Ah, ben j'ai rejoint les autres. Il y a du stuff ici ou pas? Non. Ah, je suis blessé. Joignez Daryl. Oh la tête. Qui c'est? Ou qui êtes-vous? Andrew, et vous êtes qui? Sortez de là doucement. Vous avez l'air d'une... pas l'air d'une équipe de secours. C'est votre jour de chance. Vous avez été gracié par l'état de la Géorgie. Vous êtes libre de partir. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? C'est pas tes oignons. C'est à moi d'en décider. Vous êtes libre, pourquoi vous ne partez pas? Elle a raison. Les civils qui forcent l'entrée d'une prison, je me dis qu'on a nulle part où aller. Pourquoi tu irais pas voir toi-même? Ma maison, mes règles, je vais où ça me plaît. Rick, tu peux pas laisser un meurtrier rester ici à dormir à côté de ta femme enceinte. Tu sais rien de moi? Absolument rien. Bon, c'est quoi alors?
Laisser Andrew rester, le chasser, ça revient condamné à mort. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va le virer. Trop dangereux de le garder. Tant pis pour lui. Qu'à se barrer. J'ai pris ma décision. C'est irrévocable. On a nettoyé cette prison, elle est à nous et ça nous a coûté cher. Tu peux aller voir ailleurs. Tu vas le regretter, enfoiré. T'as intérêt à surveiller tes arrières et tes potes avec toi. Au son. C'est trop dangereux de le garder avec nous, non? S'il se passe. QG. Établissement correctionnel de Géorgie Ouest. On a bien nettoyé, là on peut s'installer, non? Andrew a quitté le groupe. Mais il a jamais fait partie du groupe. Enfin, regarde en arrière, regarde devant toi, soldat. Je parlais à Laurie. Je veux pas. Et Laurie. Je veux pas parler. Je veux parler, parler, hein. Personne ne veut parler, il y a lui. Conflit. Glenn et Merle. Merle nettoie soigneusement son arme lorsque Glenn se déchaîne contre lui. C'est quoi ton problème, Merle? Mon problème, le livreur de pizza. Regarde Merle d'un air narquois. C'est toi qui as un problème, on dirait. Pourquoi tu manges ta culotte? C'est à cause de toi que tout a mal tourné tout à l'heure. T'as commencé à tirer à tort à travers, comme d'habitude. Résultat, t'as tiré des rôdeurs. On a dû abandonner les provisions qu'on avait trouvées pour sauver notre peau. J'étais déjà là, tes rôdeurs, de mille une, se défend Merle. Sur quoi tu crois que je tirais? T'as sonné la cloche du repas pour ces saletés, bon Glenn. Et on va calmer Glenn. Hein. Give me a break. Ah, ça va. Ouais. Ça va, c'est réglé le conflit. Des conneries là, les mecs. Alors, c'est bon. On est bon, tonton. Et on est prêt pour la prochaine mission. Commencer les missions principales. Récupérer les armes qui sont dans l'armurerie du sous-sol de la prison. Bah les amis, ce sera pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.